C'était pour le même problème, l'éducateur, du coup. Et c'est lui qui vous a fait mettre le collier comme ça, là? Ou c'est toi qui l'avais? C'est l'éducateur, hein, ouais. Et dans l'autre sens, non? Il l'a mis tenu. Oui. Ouais, vous, il n'y a pas de problème. Les gens qui connaissent, il n'y a pas de problème. Mais depuis petit, ça? Depuis petit, je veux pas. Et du coup, vous aviez vu un éducateur? Oui, on avait un éducateur, mais franchement... Parce qu'il était agressif. C'est tout. Ah, que du taser. Taser, collier électrique et oui, collier étrangleur. Et ouais. Moi, et quel âge il avait? 18 mois. Ah, et en plus, il a le collier électrique, là. Oui. Ah, faut lui sortir. On va tout lui enlever. Dans cette première partie, vous pouvez voir le bilan de Chaco. Une première acceptation est déjà faite, mais il reste un long travail pour le démuseler. Je vous ai parlé récemment des différents cas d'agressivité sur le chien. Nous avons là un cas concret. J'ai donc décidé de prendre Chaco à la journée avec moi. Cela me permet d'analyser sa volonté, et clairement, il est déterminé. Il y a un long travail sur l'acceptation de la muselière. La journée lui est dédiée pour qu'il passe un bon moment et qu'il s'en souvienne. De base, ses maîtres se sont tournés vers un éducateur pour des problèmes d'agressivité, mais l'agressivité des éducateurs et leurs outils de torture ont fait de lui une arme. Aujourd'hui, la seule option de ces mêmes personnes est l'euthanasie, car le chien est inapprochable. Notre combat est d'aider tous ces chiens, même ceux que vous avez rendus inapprochables. On va réitérer ces jours pour redonner confiance au maître et en son chien. Son niveau d'acceptation est déjà une bonne chose pour une première journée, vu son niveau de dangerosité. Je remercie au passage ses maîtres pour leur volonté de faire survivre leur chien.